you for a lifetime. My favorite movie, a thousand endings. You mean everything to me. I never knew what's coming. Forever fascinated. Salut les gars et les 9,6% de filles qui suivent la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit projet. En fait, je me suis mis au défi de refaire l'intro du fameux Benny Benassi Cinema Skrillex Remix. Donc comme tu l'as vu, je l'ai plutôt bien refait. Et surtout, le défi dans cette intro, c'était les drums, et notamment le kick. Avoir un espèce de kick, double kick, qui était assez compliqué à faire. Et c'est pour ça aussi que je me mettais au défi de faire ça. Donc je pense que ça peut t'intéresser de voir un petit peu comment tout ça a été fait. Donc c'est parti. Pour commencer, je me suis fait une boucle de drums, en fait, que j'ai appris copier-coller. Et pour commencer, bien sûr, on commence avec le kick. Donc un kick vraiment assez rond, assez dubstep. Voilà, je me rajoute un snare, du coup, bien sûr, sur le deuxième temps. Donc voilà, assez basique, kick snare, la base. Et le défi après surtout, c'était de faire cette espèce de double pédale, double kick. En fait, comme si tu avais une batterie réelle et que tu avais le double pédale. Et surtout, Skrillex, il l'a fait d'une manière assez intéressante. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un kick, j'ai dupliqué en fait mon kick. Et j'ai fait une petite automation, comme tu vois ici. Et je l'ai coupé, d'accord. Et j'ai essayé tout simplement d'en faire une petite boucle. Et en fait, quand tu écoutes l'intro de Skrillex, l'espèce de double triple kick qui va venir juste avant le snare. Donc moi, je me suis dit, je vais essayer en fait de faire une petite automation pour faire un petit peu monter mon triple kick, essayer d'avoir cet effet. Donc avec mon kick principal et on va dire mon sous-kick, j'ai réussi un petit peu à refaire l'espèce de tukuduka, tukudugum, tukuduka. Et ce qui était assez compliqué, c'était surtout la partie finale. Donc je te montre ce que ça donne. Voilà, ça fait très aussi drums de métal. Metal, emo, tout ce qui était truc comme ça. Voilà, faut savoir que Skrillex avant était dans un groupe d'emo, et donc c'est pour ça que ses premières prods, les drums, elles sonnent très très comme ça, mais emo, metal rock. Voilà, on va rajouter tout ce qui est Charleston, cymbales, etc. Donc là, j'ai pris une petite loupe de hi-hat et je me la suis découpée. Je me suis rajouté un petit renfort ici et un petit open. Cymbales open, les trois ensemble, et bien sûr les trois ensemble, on va le mixer et on va mettre un petit EQ, comme tu vois, assez sympa. On va couper les basses fréquences, on va mettre ça dans les aigus, et on va mettre ça assez fort en fait, hein, vraiment assez fort au-dessus de notre kick et snare, pour que ça sonne un petit peu ce côté brut. Je vais te montrer maintenant la partie mélodique, juste pour te montrer ça. Donc on a une petite harpe très sympa. Dans Nexus, c'est la Illusionize qui fait le taf ici. Et notamment l'harpe de Skrillex est très sympa. Voilà ce que ça donne. Je
vais rajouter encore du Nexus, un petit short. Je rajoute un petit pad aussi avec. Nexus encore. Dans Nexus, pour les pads, c'est parfait. Il y a vraiment plein de trucs. Et bien sûr, un petit sub, hein, faut pas oublier, pour nos fréquences basses. Pour remplir tout ça. Voilà, ensuite, tout simplement, hein, c'est les mêmes notes. Et donc, le tout ensemble, ça nous donne ceci. Voilà pour ça, et ça c'était le petit détail que je voulais rajouter, mais l'espèce de petit pluck dans cinéma très qui rentre dans la tête. Voilà, donc là je me le fais sur un pattern, je le découpe, et surtout je mets une énorme reverb. D'ailleurs je vais faire une automation sur le wet ici. Pour vraiment faire une grosse profondeur du pluck. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de voir ce que ça donne avec le vocal. J'ai pas trouvé un vocal de très bonne qualité, mais je trouvais qu'il faisait le taf. I could watch you for a lifetime. You're my favorite movie. A thousand endings, you mean everything to me. I never knew what's coming, forever fascinated. And you are my cinema, I could watch you forever. Voilà pour le vocal. Comme t'as vu, je t'ai montré que j'ai mis un petit autotune parce qu'en fait, dans l'acapella, il y a une espèce de note bizarre. Et donc maintenant que tu connais tous les éléments, je te refais réécouter ça. Watch you for a lifetime. Ok, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me lâcher ton like si ça t'a plu, à me suivre aussi sur les réseaux. Je vais essayer vraiment de faire des vidéos comme ça où je fais des remakes de classiques en fait, et dans lesquels on peut apprendre des nouvelles choses assez intéressantes. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu veux que je refasse un petit peu comme classique que j'essaye de refaire, parce que là bien sûr tu te doutes bien que faire le drop de cinéma c'est un petit peu compliqué. L'intro ça va, mais après ça part en couille. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description, t'as une heure de formation offerte avec aussi un mini pack offert et plein d'autres bonus. N'hésite pas à rentrer ton email dans la description, je t'envoie tout ça par email, à checker aussi tes spams ou l'onglet promotion, des fois ça tombe là-dedans malheureusement. Mais voilà, t'as tout ça, c'est gratuit dans la description. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.